Salut à tous et à tous, c'est Tony Mats. J'espère que vous allez bien. On continue la suite et j'espère qu'on va les avoir. Et alors j'ai décidé, on va continuer la suite et voilà où on était la dernière fois. On allait affronter ce grand dresseur avec ce Pokémon. Tu peux aussi méga évoluer. Deux méga évolutions peut-être dans cet épisode. On verra. On va voir si on peut le gagner. Et en plus, je vais essayer de faire... Ah oui, aussi j'ai entendu des trucs pour le jeu FIFA. Yana, tu m'as demandé aussi de jouer à un peu de Mapcrime. Il faut que j'essaie de faire ces deux jeux. Du FIFA, j'en fais déjà. Mais il faut que déjà, j'y pense d'en faire aussi. Parce qu'en ce moment, je suis concentré sur d'autres jeux. Et je suis concentré sur plusieurs jeux. Et j'ai oublié à chaque fois de faire du FIFA que je devais en faire. Que je devrais en faire. Voilà. Et je vais en faire bientôt, vous inquiétez pas. Et du Macrag, ben, je sais pas encore faire quoi dessus. Je ne sais pas encore si vous voulez que j'en fasse. Donnez-moi des trucs à faire, des ce que vous voulez que je fasse dessus, par exemple. Bon, allez, on va parler du combat entre Dragonfeu. Hein. Attention, méga Dragonfeu. Il se fait prendre des bons coups là. Oh, on est revenu Dragonfeu normal. Oh putain, c'est dur! Oulala! Oulalalalalalo! Oh, il se défend bien quand même lui! Hein. Ouf! Ah mon beau. C'est bien, Dragonfeu. C'est bien. Ouh! Regardez, il y a Mega Mewtwo! Il y a Mewtwo. Un Mewtwo bizarre! Il a l'Ectas Mewtwo, mais... Ouh! J'ai jamais vu un Mewtwo avec un truc collé sur le côté, là. Un truc... comme un... diamant, un truc comme ça. Attention! C'est peut-être un nouveau Mewtwo, hein, tu vas sortir bientôt. Dans les dessins animés, peut-être. Je sais que la Team Rocket avait, ils ont inventé un Mewtwo normal, mais peut-être ça sera un nouveau Mewtwo que peut-être un autre professeur a créé, peut-être. Je sais pas, ou peut-être c'est que dans ce jeu-là qu'il y aura ce Mewtwo-là. Peut-être. On verra bien dans les prochains Pokémon, dans les nouveaux Pokémon, si... Par exemple, je parle de Pokémon Soleil et Lune. On verra. Ouh, méga Dragonfeu. Moi aussi, je suis trop pressé que ces deux jeux sortent. Parce que j'aime bien jouer à ces jeux-là, par exemple. Attention, attention, méga Dragonfeu. Moi, j'aime bien jouer après ça, beaucoup de jeux. Alors, j'ai pas de préférence pour les jeux. J'aime bien sortir. Donc c'est un jeu que j'aime bien jouer avec. Bon aussi, il faut pas qu'il soit trop nul, mais bon. Mais sinon, j'aime bien tous les jeux. Attention, Dragonfeu. Ouh là là. Il nous fait perdre beaucoup de vie, celui-là. Oh putain, je vais perdre pour la première fois. Je vais perdre peut-être. Ouh là là. Ouh là là, je suis peut-être prêt à perdre. Je suis complètement en train de... Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, on dirait que j'ai gagné. Bah oui. Je sais pas pourquoi j'ai gagné. On n'avait même pas fini le combat. Bon, on a gagné. Tant qu'on a gagné. Les Mewtwo, on t'a gagné. Même si on dirait que c'est un match nul. On t'a gagné quand même. Bon, c'est pas grave. Il était bon, moi. Et en plus on change de ligue. C'est bien ça. C'est bien Dragonfeu. Bon, on continue.
Attention! Oh, on fait des détours en plus. Alors qu'à nous faire danser. N'oubliez pas qu'on est dans une nouvelle ligue. Et comme on est dans une nouvelle ligue, eh ben, les Pokémon vont être plus durs à battre. Et nous, on va perdre plus de vie. Et ouais. Attention, Dragon Feu. Allez, Dragon Feu. On se protège quand même. Ouh là là, on perd beaucoup de vie, hein. Punaise. Bon, c'est pas si grave que ça. Bon, sauf que j'ai monté la puissance de l'attaque parce que sinon. Ah non, ça c'est une attaque spéciale. Ouais. Bon. Allez, Gargonfeu. Il faut que aussi que je. La. Faut que aussi que je fais la défense. Il faut que j'entraîne mon Gargonfeu pour la défense aussi. Des fois, je fais ça en ligne. Des combats en ligne, ça c'est bien aussi. Même s'ils sont peut-être plus souvent, plus que. Il y en a qui sont plus forts que moi. Je joue quand même en ligne. Voilà. Ouh, on a même, elle a même pas eu le temps de se méga évoluer. Et ouais. Parce qu'elle pouvait méga évoluer. Parce que j'ai vu que sa barre était à fond. Bon, les amis, c'est ici qu'on va se laisser. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Oui, n'oubliez pas de me mettre ce pouce vert. Bisous à tous et à très bientôt. Bisous.